Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo favori et flop. C'est vrai que ça fait quand même quelques temps que je n'en ai pas fait, je crois. Et bah, vous êtes quand même nombreux à aimer encore ce genre de vidéo, donc let's go, c'est parti. Ce genre de vidéo me permet de faire le bilan de tout ce que j'ai utilisé ces deux derniers mois à peu près, de mettre ça de côté, de les remettre dans mes tiroirs qui sont juste derrière et de pouvoir ressortir d'autres produits. Après, il y a certains produits que je garde dans ma routine tout le temps jusqu'à temps de les terminer. D'ailleurs, on va commencer par ce produit qui est vraiment un gros favori. Il va falloir que je me le rachète parce que je l'ai beaucoup aimé. C'est le fond de teint que ma copine Ella Rayon de Soleil sur YouTube m'a offert à notre swap de l'année dernière. Et là, je l'ai fini, aïe, c'est la fin de la fin. Alors quand on regarde comme ça, on a l'impression qu'il est encore rempli, hein, mais il est complètement vide. Hein. Donc je sais pas, ça descend jamais sur les parois, je sais pas, mais en tout cas, il est totalement fini. C'est le Capture Skin de chez Catrice. Hydratation, hyaluronique, honnêtement il est vraiment bien pour les peaux sèches comme la mienne. Il hydrate, il uniforme, c'est pas une couvrance de malade mais moi c'est ce que je préfère. Mais il couvre quand même bien les rougeurs etc. Avec un petit anti-cerne, il déchire et c'était la teinte 30 Neutral Sand qui était ma foi parfaite. Donc ça je vais essayer de me le rechoper sur un site parce que hier je suis allée justement en Belgique dans les magasins style Kruidvat et je l'ai pas vu. En même temps, non je crois que je l'ai pas vu, hein. J'ai regardé en plus le rayon Catrice mais... J'ai pas connecté donc il m'a pas sauté aux yeux. Si ça se trouve il y était, j'ai loupé. Je le commanderai sur Maki Beauty etc. Je trouverai bien ou sur Boozy Shop. Ma foi, c'est un grand favori. En tout cas je l'aime énormément. On va rester sur le teint, je vous en ai déjà parlé je crois, mais j'ai beaucoup aimé le Lancôme Idol Ultra Wear Concealer comme ça, qui est une nouveauté, hein, en teinte 02, qui est pas ma teinte tout à fait mais ça passe. Et j'ai beaucoup aimé aussi toujours de chez, là c'est Essence, le Camouflage Plus Concealer qui est un peu clair. Celui-là est un peu orangé, celui-là est un peu clair, donc selon mes envies du jour, celui-là il est plus couvrant. Celui-là il a un côté quand même très naturel, très parfait quoi je trouve. Celui-là il est un peu moins naturel, mais en tout cas j'aime bien utiliser les deux, ils me plaisent très bien. Au niveau des bases de teint, alors vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, je suis une grande fan du By Terry Brightening CC Serum. Alors là c'est la version foncée, d'ailleurs il y a des cheveux à moi partout, hein. C'est la version 4 mais je l'ai utilisée un peu dans toutes les teintes et je l'aime énormément. La version 4 elle a un petit côté un peu bronze qui donne un petit teint un peu sympa, puis après quand vous mettez votre fond de teint voilà ça fait un joli teint. Là je crois qu'il m'en reste pas beaucoup, de toute façon je vais terminer et j'en ai encore d'autres en stock. Et j'ai découvert la base comme ça, lumière de teint de chez T. Leclerc. C'est une marque qui m'envoie de temps en temps des petits produits et ça je l'avais reçu grâce à eux. Hein. Et honnêtement je l'aime bien, c'est lumière de teint, alors c'est une teinte rosée, mais ça se fond dans la peau quand vous le mettez en base et ça a un effet vraiment lumineux. Vous mettez votre fond de teint par dessus et bim vous êtes, vous avez un beau teint. Alors moi j'aime beaucoup les teints lumineux et j'aime pas les teints mats, donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser des bases lumineuses. Mais vraiment, je l'ai trouvé cool, il m'a pas donné de boutons, donc je le garde dans ma routine parce qu'il est vraiment top. Toujours dans la marque T. Leclerc, comme ça je reste sur cette marque là, j'ai adoré le crayon pour les sourcils. Je l'ai trouvé dingue. Donc d'un côté vous avez le petit goupillon basique et de l'autre côté vous avez un crayon qui est assez fin et qui se rétracte et se tourne tout simplement, donc pas besoin de tailler. La pointe est fine, elle est assez grasse pour pouvoir colorier entre guillemets vos cils et enfin vos sourcils plutôt. Ouais, vos sourcils. Colorier vos sourcils et la couleur est parfaite pour moi. Alors Traffine Bro, la mine à sourcils, ça s'appelle, de Théophile Leclerc. Et je ne sais pas la teinte, écoute. C'était peut-être écrit sur la boîte que j'ai jetée, mais en tout cas c'est une teinte parfaite pour moi, vraiment couleur de mes cheveux. Bah, de toute façon je l'ai utilisé là et je l'ai utilisé dans toutes mes dernières vidéos, c'est mon crayon à sourcils du moment. Et je voulais vous en parler parce que la dernière fois j'avais oublié, donc vraiment je l'aime beaucoup. Au niveau du teint, évidemment vous le savez, je suis une méga fan de Marc Jacobs et de leur poudre que je vous ai parlé au moins 500 000 fois. Voici celle-ci, donc elle est vraiment au bout du bout du bout, hein, mais je l'utilise encore pour poudrer mon dessous de l'œil, hein, voilà. Donc je gratte encore les bords pour poudrer mon dessous de l'œil, je la trouve très bien. La couleur est parfaite, c'est la Accomplice 50 ingénue et la couleur est parfaite pour mon dessous de l'œil. Elle lisse le teint au niveau de l'œil et tout. J'aime tellement, donc là je la termine à vous. Je pense que bientôt je vous en parlerai plus beaucoup. Même si grâce à ma copine Lily dans notre swap de Noël, elle me l'a offert de nouveau, donc je suis trop contente. Je sais qu'elle est dans mon stock. Je pense que là quand elle va être terminée, je vais repasser à ma Laura Mercier pour la terminer. Et puis je reviendrai sur celle-ci un peu plus tard histoire de terminer d'autres produits. Mais gros favori celle-ci, gros favori. Dans le teint, favori celle-ci.
D'ailleurs, je sais pas si j'aurai des flops dans cette vidéo, parce que souvent mes flops là, je m'en suis débarrassée. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer peut-être à la fin toutes les choses que je vais vendre sur Vinted et qui sont pour moi des flops ou des choses qui ne me serviront pas. Donc je vais vous montrer un petit spoil et je pense qu'on se donnera rendez-vous demain sur Vinted pour pouvoir accéder à ces petites choses-là à petit prix comme d'habitude, hein. Mais là il faut que je m'en débarrasse, j'ai beaucoup fait de tri en fait du mois de décembre et janvier et j'ai juste pas eu le temps, donc là je vous ferai un petit spoil à la fin et comme ça vous pourrez aller zioter sur mon Vinted demain. Donc au niveau du favori sinon, celle-ci de Charlotte Tilbury, c'est la Nude Gasm Face Palette, je sais plus si je vous en ai déjà parlé mais honnêtement, elle est dingue parce que toutes les teintes sont vraiment top et ça se voit que je l'utilise parce que bah ça commence à s'effacer les petits mots, les petits dessins là qu'il y avait dessus, mais elle est tellement belle, c'est genre la palette à utiliser tous les jours. D'ailleurs pendant un moment donné je l'ai utilisée tous les jours, en classe de neige je l'avais emmenée, oui j'avais emmené du Charlotte Tilbury et je l'ai utilisée tous les jours. Je l'aime trop 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 cette palette. Pour le teint j'ai testé aussi des produits de chez des produits coréens de chez Sylvana, donc ces petites palettes là honnêtement j'ai pas été plus conquise que ça, elles sont sympas hein. C'est les Afternoon Tea de chez qui, Mimi Box. Donc les packagings sont trop mignons. Là c'est un peu froid. Vous voyez les teintes sont un peu froides. Mais je m'en suis servie. C'est juste que c'est pas le coup de cœur de fou quoi. Et celle-ci les couleurs sont très sympas aussi. La pigmentation est là. C'est très doux. C'est très joli. C'est vrai que c'est des petites palettes très sympas. Mais j'ai tellement eu un coup de cœur pour ma Charlotte Tilbury que je les ai mis un peu de côté. Donc je vais les ranger. Je vais pas les revendre. Je vais les ranger. Et puis je les réutiliserai peut-être cet été ou à un autre moment de l'année. Peut-être qu'elles me feront kiffer à ce moment-là. Parce que c'est pas une déception. Elles sont bien. Mais j'ai juste pas eu de coup de cœur. Alors tout le monde a parlé de ces blushs là, Scorch, de ces BH cosmétiques. Ils sont juste énormes au niveau de la taille, je trouve que c'est beaucoup trop gros. Maintenant j'ai envie de tout petits trucs. Après c'est vrai que la teinte, c'est la teinte Melt, elle est très très belle. C'est une teinte, bah, d'ailleurs c'est celui que j'ai aujourd'hui sur les joues. J'ai pas l'impression qu'on le voit là en caméra, mais c'est une teinte un peu rosée, lumineuse, qui est très belle. Vraiment, c'est pigmenté comme il faut, on peut pas trop se tromper je trouve. C'est un peu poudreux mais ça reste très bien, donc c'est un bon produit. Juste je sais pas pourquoi il y a eu autant de tapage autour de ce produit là parce que j'ai pas trouvé que c'était révolutionnaire. Et ça aussi j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux, le Doyle Light Like a Diamond de chez Doyle Light je pense. Je ne sais pas de quelle marque c'est, si ça doit être Doyle Light et je vais y arriver. Et c'est vrai que ce produit là est très très beau, c'était un highlighter avec plein de cœurs. Alors voilà vous le voyez plus, c'est celui que j'ai. Alors c'est vrai qu'en caméra il est... Hein, il envoie du pâté, hein, je l'ai mis un peu partout. Au début j'étais pas conquise parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de paillettes. Et en fait maintenant je l'aime bien. Maintenant je l'aime bien, donc je vais le garder celui-là, il me plaît beaucoup. Il y a des paillettes mais il est quand même tellement lumineux, tellement intense que c'est vrai qu'il est quand même très très bien. Et comme au niveau teint, moi j'adore tout ce qui est teint, blush, highlighter. Bah, j'ai testé celle-ci que j'ai acheté il y a pas très longtemps de Sigma. C'est la Berry Glow avec un blush et un highlight à l'intérieur. Et ce duo, il manquerait juste un bon bronzer à côté, il serait parfait. Ce duo est top, l'highlight est sublime. Il est aussi pailleté, mais je sais pas, maintenant j'ai l'impression que je vais vers des highlights pailletés. Mais il est quand même comme un peu celui-ci, juste il a pas exactement la même teinte, il est un peu plus rosé celui-là. Et il a ce côté très lumineux et en même temps quelques petites paillettes. Et alors le blush, il est trop 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 beau, je l'aime énormément. Donc ça c'est vraiment mon coup de cœur aussi de cet hiver. On va parler d'une déception, c'est ce produit là. Honnêtement cette palette là j'ai été hyper déçue. Je sais pas vous mais je m'attendais tellement à mieux, la Christmas Coffee de chez Too Faced. En fait c'est ce vert qui m'a attirée, mais en fait je sais pas, elle est pas extraordinaire. Elle est bien au niveau pigmentation, tout ça ça va hein, mais c'est pas la palette de dingue. Oula, je suis tombée des trucs. Mais ouais, c'était pas le coup de cœur. Alors je sais que vous êtes nombreuses à avoir craqué pendant les soldes, etc. Est-ce que vous êtes conquise? Donc je suis contente, je vais la regarder dans ma collection Too Faced. Il manquait un petit truc en plus, je trouve, dans cette palette. D'ailleurs, en restant chez Too Faced, je viens de craquer il y a quelques jours sur la nouvelle. La Major Love de chez Too Faced, hein, de la dernière collection là qui vient juste de sortir. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Et celle-ci me plaît beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de lumineux que dans l'autre. Il y a une variété de couleurs qui est vraiment sympa. Là, les couleurs lumineuses sont vraiment hyper bien pigmentées. Hein. Je sais pas si vous voyez sur mes yeux, mais j'adore. Le vert est très beau, vous avez un vert un peu mordoré ici, un doré un peu cuivré ici, vous avez un petit lumineux clair ici, d'ailleurs que j'ai oublié de me servir. Vraiment, il y a quand même un panel de maquillage possible avec celle-ci, alors que l'autre, je trouve qu'on peut faire tout le temps la même chose. Celle-ci, on peut vraiment s'amuser. En plus, j'ai vu des swatchs de dingue. Je pense que je vais essayer de vous en faire aussi sur Insta. Mais celle-ci, j'ai bien aimé. Alors, je l'ai utilisée qu'une fois, mais en tout cas, là, pour l'instant, elle m'a déjà plus...
titillée que l'autre, qui est plus fan. On va rester dans les palettes avec du vert. J'ai testé cette palette-là de chez Morphe, qui est la 9G. Oula, il y a un phare qui a décidé de se barrer dedans, mais je vais le recoller. Alors, je vais essayer de pas faire de catastrophe, hein. Je vais mettre mon doigt dessus, voilà. Celle-ci, et honnêtement, je l'ai adorée encore une fois. Alors, vous avez vu, je suis repartie dans mes make-up un peu vert doré. Mais j'aime beaucoup hein, les make-up de ces couleurs-là, surtout en cette période-là. Et celle-ci, vraiment, elle m'a épatée, cette petite palette-là. C'est ma copine Mimi, bah, une abonnée, qui m'avait envoyé ce colis, hein, Mylène. Et vraiment, très très belle découverte. Et ma petite Lily, dans notre swap, m'a offert deux palettes aussi avec du vert. Elle m'en a offert une autre que j'ai pas encore eu l'audace de tester. Mais celle-ci, je les ai beaucoup utilisées bah, ce mois-ci, hein, ces deux derniers mois. Donc la fée clochette comme ça de chez Colourpop qui est juste trop magnifique. La pigmentation est là. On voit que je l'ai bien creusé au niveau des verts et tout. J'aime beaucoup cette harmonie. Ça reste dans le même style que les autres, mais là, la pigmentation est du haut level. Et honnêtement, j'aime trop ce genre d'harmonie-là. Et alors, cette petite palette-là, j'en ai reçu deux de ma petite Lily. Hein, mais celle-ci, je ne l'ai pas encore assez testée. Et celle-ci, j'ai beaucoup aimé aussi. À mon grand étonnement, elle est... Elle envoie du lourd, hein. Si, c'est celle-ci aussi, je l'ai testée. Je l'ai testée aussi, en fait, celle-ci. J'ai testé les deux. Et c'est vrai qu'elles ne payent pas de mine comme ça, mais elles sont hyper bien pigmentées de chez BH Cosmetics. Il y a la Peridot et la Diamond. Et je peux vous dire que les lumineux envoient du lourd. C'est ouf. Donc ça, je les garde dans ma routine pour m'en resservir encore un petit peu. En revanche, je vais enlever de ma routine ces deux-là. Alors, je les ai bien aimés de chez Juvia's Place. Mais c'est pas un coup de cœur de fou, c'est pas les couleurs que j'ai envie d'utiliser en ce moment. Donc on a une dans les tons rosés comme ça. Et celle-ci, je l'ai utilisée quand même plus souvent parce que comme je m'habille souvent en marron, en camel, bah je l'ai utilisée régulièrement. La pigmentation est là, mais c'est juste pas un coup de cœur. Hein, ça reste fidèle à Juvia's Place, donc je vais juste les ranger et je m'en servirai plus tard, ça c'est sûr. En tout cas, j'ai fait d'énormes découvertes, je trouve, ces derniers. Et ça, je vous passe un peu rapidement. J'ai adoré ces deux palettes-là, mais je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo make-up blabla, parce que ma petite Lily m'en a parlé. Et voilà, c'est mes dernières découvertes de Noël et tout ça. Et je me suis énormément maquillée avec celle-ci. Et celle-ci, un petit peu moins, mais je me suis quand même beaucoup maquillée avec celle-ci de chez Natasha Denona et Huda Beauty. Et c'est des gros coups de cœur. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez des énormes coups de cœur comme ça, en palette. Ça m'intéresse de savoir un petit peu vos goûts aussi à vous. Pendant la période des fêtes, j'ai oublié au niveau teint celle-ci. Je l'ai énormément utilisée, la Extra Glaze Cheek Palette de chez Colourpop. Et c'est vrai que bah, dès que j'ai reçu ma Charlotte Tilbury, je l'ai un petit peu laissée de côté. Mais je l'ai énormément utilisée, hein, ça se voit. Et elle est vraiment top. Alors, il n'y a pas de bronzer dans celle-ci, c'est le petit hic entre guillemets. Mais sinon, au niveau des blushs et de l'highlight, vous avez de quoi vous amuser. Et pff, je crois que c'est une petite palette pas trop chère. Vraiment top. Et dans la dernière palette que j'ai envie de vous parler, mais j'ai trop testé de palette ce mois-ci. Donc il y a déjà de chez Shiglam les fameuses chromes là, et honnêtement je les ai kiffées. Et pourtant à la base j'étais pas partie pour les acheter. Hein. Mais je les ai kiffées ces petites palettes là de chez Shiglam. Je vous avais fait aussi un make-up blabla à ce sujet là. Et les voici, et on voit bien que j'ai vraiment adoré celle-ci. Celle-ci un petit peu moins, on va dire que c'est un petit peu moins celle qu'il faut acheter. Celle-ci c'est la Time Wrap, et elle déchire. Vraiment, il y a un chrome là-dedans qui est vraiment très beau. C'est des petites palettes qui valent pas très cher et qui valent le détour, je trouve. Et celle-ci, la Rare Beauty, je vous ai fait aussi une vidéo make-up blabla. Je l'aime bien, c'est juste pas un coup de cœur. Mais j'aime l'utiliser régulièrement, ça reste des petites couleurs nude. C'est vraiment la petite palette du quotidien avec les petites paillettes si vous voulez faire un petit truc un peu wow. Mais ça reste un truc pas de waouh, mais pas mal du tout. Donc ça, je la garde aussi, je l'aime bien. Au niveau du teint, j'ai adoré, mais ça je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favori. C'est le spray de finition Skindinavia. Je l'ai ressorti pour aller en classe de neige parce que c'est un petit format et je vois qu'il est... bientôt vite déjà, ça fait 2-3 semaines. Et honnêtement, ça fait 2 semaines même que je l'utilise. Et je l'aime trop. Je l'aime trop ce petit spray. Il est dans ma wishlist en grand format. Un jour, je recraquerai. Mais c'est vraiment un bon spray qui fixe le make-up. Vous n'avez pas après de transfert. Il est hyper doux. Enfin, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, il n'y a rien à dire, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup testé le mascara Martine Cosmetics que ma petite Lily m'a offert aussi. Et honnêtement... c'est celui que j'ai aujourd'hui sur mes cils, il est bien mais il fait beaucoup de paquets et je le trouve difficile à travailler. Vraiment c'est pas le mascara du siècle pour moi, c'est vrai que Gaëlle Garcia Diaz elle en a parlé vraiment, bah, c'est son mascara donc elle en a parlé comme si c'était The Revolution. Il est pas mal du tout mais je trouve qu'il laisse beaucoup de paquets et qu'il faut le travailler, même mettre deux couches s'il faut.
Donc je suis pas conquise de dingue. Je l'aime bien, je vais le finir, je vais l'utiliser jusqu'au bout parce qu'il est pas mal. Mais c'est pas ce que je préfère utiliser au quotidien. Au niveau rouge à lèvres, j'ai fait des grosses découvertes. Mais chez qui? Huda Beauty. Sur les lèvres, je porte ce petit kit là qui a été soldé, hein, si je me souviens bien. J'ai cru le voir soldé. C'est la teinte, donc à l'intérieur vous avez le crayon à lèvres qui déchire, hein, il est vraiment top, qui est le Warm Brown. Et vous avez aussi le petit rouge à lèvres Oustla. Et honnêtement, c'est le duo que j'ai sur les lèvres. Et vous êtes d'accord, c'est naturel, c'est nude, mais en même temps soutenu. Ça donne un petit côté un peu plus femme fatale, je trouve. J'aime beaucoup. Et le demi-mat aussi de Huda, que j'ai beaucoup utilisé sur Insta, c'est le Catwalk qu'il a. Et bah écoutez, ma foi, j'aime beaucoup. Déjà, la couleur est sublime. C'est un violine vieux rose qui est très très beau. Et l'effet demi-mat, j'aime beaucoup. Alors effectivement, il y a du transfert. Mettez pas votre masque juste après. De toute façon, oubliez vos masques maintenant que vous mettez du rouge à lèvres, hein. Même le sans transfert, je crois que moi ça marche pas, en tout cas sur moi. Mais sinon, il est vraiment magnifique, il est hyper agréable sur les lèvres. Moi j'aime bien les demi-mats. Pourtant j'en ai entendu pas mal de mal, mais moi j'aime bien. Et de chez Huda, j'ai testé plein de petites palettes parce que bah, j'en avais acheté quelques-unes avant les soldes, je crois. Sur le site, il y avait des promos. Et bah, j'ai pas été plus... c'est pas des palettes qui m'ont emballé. Je vais les garder pour la collectionneuse qui est en moi, mais... Alors celle-ci, je les ai vraiment pas payées cher, hein. Je crois que je les ai payées 11€ au lieu de 30 ou 7€, je crois, je sais plus, sur le site Huda. Celle-ci, je l'ai payée un petit peu plus cher, la White, parce que c'est une des dernières collections. Et elle est belle, hein, elle est belle, j'adore les couleurs comme ça. D'ailleurs, le petit rosé, là, il m'a épaté hier, je l'ai utilisé, je crois, ou avant-hier, et il m'a surprise. Mais sinon, à part celle-ci, les deux autres, j'ai pas été plus emballée que ça. Je les garde, mais c'était pas la folie, le coup de cœur de dingue, c'était pas... Voilà. Mais... J'ai connu mieux chez Huda au niveau des harmonies de couleurs et tout. J'ai connu des palettes vraiment qui me plaisaient énormément. Donc là, je suis un petit peu déçue. Toujours dans les produits teints, j'ai oublié de vous parler de ce petit produit-là de chez Beauty Bay. C'est le Donut. Et c'est un bronzer. Et honnêtement, c'est vrai qu'il est divinement bien. Du coup, mon ancien bronzer que j'avais de chez eux, je vais le mettre à vendre parce que celui-ci, la teinte est parfaite pour ma carnation, je trouve. L'autre, il est beaucoup trop orangé pour moi. Donc je vais rester sur le Donut. Je suis trop contente. Bah vous voyez, j'ai pas eu beaucoup de flops, mais je pense que c'est parce que je les ai dégagés direct ce mois-ci. Là, je les ai pas mis de côté pour vous en parler. Et de toute façon, je vous mets à chaque fois mes produits terminés, etc. sur Instagram. Et mes flops, bah vous allez sûrement en trouver dans ce que je vais vendre après. Mais c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de flops ce mois-ci, là, ce dernier temps. J'ai eu beaucoup de favoris. Et d'ailleurs, dans mes deux derniers favoris, un petit soin de chez Darphin, la mousse nettoyante. Alors moi, j'aime pas les mousses nettoyantes pour le visage. Ça, avant, j'adorais, puis j'ai eu une période où... J'aimais plus ça. Et bah, la Darphin m'a réconcilié avec les mousses nettoyantes. J'ai adoré l'utiliser. Là, je l'ai utilisé déjà 3-4 fois. Et j'ai adoré. Alors que j'aimais pas du tout ça pendant un bon bout de temps. Donc vraiment, c'est la gamme Intral mousse douceur nettoyante à la camomille. L'odeur est divine. Ça rend la peau toute douce. Vraiment, j'adore. Darphin, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette marque-là. Au niveau des soins visage, je trouve qu'ils sont vraiment très forts. Ce n'est pas donné, mais c'est vraiment très fort. Et le dernier coup de cœur, toujours Huda Beauty, la marque Kayali, donc c'est la marque d'Huda. J'avais acheté sur son site aussi la toute petite, tout petit parfum comme ça. Je sais pas, il y a combien là-dedans. Il doit y avoir 10 ml. Ouais, 10 ml. Le Utopia Vanilla Coco. Et je le porte aujourd'hui. Ça se voit d'ailleurs que je l'aime, hein, il est moitié fini. Je l'aime d'amour. Il est vraiment top. J'ai déjà la version vanille. Et c'est vrai que je préfère celui-ci du coup, je pense. Il est un peu plus ambré, un peu plus doux. Et il y a ce côté coco qui vient adoucir le truc. J'aime bien ça. Sans moins la vanille. Forte, alors que l'autre que j'ai de chez Kayali, c'est vraiment vanille pure. Alors j'aime bien, hein, mais c'est vrai que celui-ci, je trouve qu'il est un peu plus portable au quotidien. Donc vraiment gros coup de cœur aussi pour ce parfum-là qui va finir en grand format dans ma wishlist, puis je me l'achèterai à l'occasion. Voilà, j'ai hâte de lire vos petits commentaires et puis je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai à vendre. Donc, je vous mets mon Vinted ici et dans la barre d'infos si ça vous intéresse, tous les petits produits, dans tout ce que j'ai trié, parce que je vous avais préparé une vidéo tri au mois de décembre, mais j'ai pas fini ma vidéo, j'ai pas fait le bilan. Peut-être que je vous la remets, je vous en ferai une plus tard. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous voulez une vidéo rangement make-up ou tri, ou surtout rangement make-up, parce que maintenant que j'ai déjà trié, j'ai pas trié demain, hein, mais rangement make-up pour voir un peu comment c'est rangé derrière moi. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Et je voulais aussi vous faire une vidéo sur ma pièce beauté là. C'est juste que là, elle est encore en bordel, j'ai pas encore trouvé les rangements parfaits comme je voudrais. Donc comme j'ai pas encore ce que je veux, j'ai pas envie de montrer tout de suite. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker aussi cette vidéo, à vous abonner pour voir la suite de mes aventures. Sur ce, je vous montre mes petits futures ventes et puis je vous retrouve dans les commentaires.